Salut à tous, bienvenue dans Drôle de Dame, l'émission consacrée à l'équipe féminine de l'OL, l'émission donc des championnes d'Europe. Elle est sans doute l'une des joueuses les plus techniques au monde, la numéro 10 de l'OL et de l'équipe de France, Louisa Nessib, nous accompagne ce soir. Toute l'actu des Lyonnaises sera développée dans cette émission, les derniers résultats et l'arrivée de la japonaise Ami Otaki. Le Mac du mois sera consacré au travail du staff technique et médical de l'OL féminin. Enfin, le Fashion Time ira relooker les chiens de Céline Deville. Salut Louisa. Salut. Qu'est-ce qui te fait rire? Le relooking des chiens de Céline Deville. C'est ça. Ce sera en fin d'émission, il ne faudra pas manquer ça. C'est un grand moment. Bon Imagine. Anniversaire Louisa. Merci. Tu as eu 25 ans le 23 janvier dernier, c'est ça? C'est ça. Tu as fêté ça? Un peu, ouais. Qu'est-ce que tu as fait? Petit resto? Ouais, une petite soirée avec les amis, étant donné qu'il n'y a pas la famille, donc ouais. J'ai fait ça avec les amis. 25 ans, ça fait quelque chose? C'est un chiffre rond? Non, ça ne fait pas grand-chose, si ce n'est que, ben, on se dit que le temps passe vite quand même. Alors Louisa, c'est ta cinquième saison à l'OL, c'est déjà. Ça. Ouais. Quatre titres de championne de France, deux Coupes de France, dont une avec Montpellier, une Ligue des champions, meilleure joueuse du championnat en 2009, et tu faisais partie également des 10 joueuses nominées pour le Ballon d'Or meilleure joueuse FIFA. Quel regard est-ce que tu portes déjà sur ce début de carrière avec déjà beaucoup de titres et de réussites? Ben c'est vrai qu'à 25 ans, il y a quand même pas mal de titres. Donc ça fait toujours plaisir parce que ben, c'est ce qu'on retient dans le foot. Et après une carrière, c'est ce que l'on regarde. Donc voilà, malgré le fait que je sois jeune, c'est vrai que malgré tout... J'ai fait de belles choses jusqu'à maintenant. Bon, j'espère que ça va continuer. Qu'est-ce qui te manque alors? Qu'est-ce qui te pousse à continuer? Qu'est-ce qui te motive maintenant? Tout. J'aime toujours autant le football. Donc, je pense qu'avant tout, c'est une passion et un plaisir de jouer au foot. Donc, tant que j'aurai toujours ce plaisir, je continuerai toujours à regarder devant. Un petit titre avec l'équipe de France aussi, c'est ce qui manque peut-être à ton palmarès. C'est vrai qu'avec l'Olympique Lyonnais, on a remporté pas mal de titres et jusqu'à maintenant, avec la sélection, aucun encore. Donc voilà, malgré le fait qu'on ait fait une belle Coupe du Monde, il n'y a pas eu de titres à la fin. Donc c'est vrai que c'est ce qui manque. Bon Louisa, on va commencer l'émission, comme de coutume, par coach Patrice. L'analyse de Patrice Lhaire sur Louisa Nessib. C'est parti.